Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmis là. C'est la première fois que vous venez par ici là avec nous. Pas oublier pour faire geste ça, ou peser, s'abonner ou bien souscrire, ou peser cloche là tout. En fait, songez bien lorsque vous pesez cloche là pour que li sous tout pour capable être connecté avec nous. Nous porter des informations importantes pour mes amis, nous pas penser ça ne va dire là, son bagage tel chargé, personne ne pas quoi que ça ne va dire là, que c'est la carte tonton Sam l'a passé. Personne ne pas quoi ça. Mes amis, qui ça lié? Nous allons parler de downtown Miami. Résident, businessman, cap van, yo fait qu'on est que, eh bien, downtown, li transformé à Santarelli, yon toilette en plein air. Homeless, ça veut dire, et moun qui pa gen kay, eh bien, yo a popo sous sidewalk là même dans downtown Miami. Tenez bien. Parce que ça passé c'est que chiffre montre que population homeless, moun qui pa gen côté priorité, a vinn pi plus chaque jour. Donc ça veut dire tant population a vinn plus chaque jour, eh bien poupou vinn un problème. Et par exemple, gen businessman José Goyanes qui parle, il dit problème ça vient pire, beaucoup j'aimerais bagarre ça depuis 25 ans m'a vivre pas bon ici là. C'est un businessman, honneur gars qui a parlé. Il dit ou ka prend ça dans tout côté. Il dit moi même qu'on a regardé des séries de monde qui pipi nan mur. L'autre qui panique juste descend pantalon. Et puis Yannick Poupou nan mit sous ça là parce que yo pas gè l'autre côté pour y aller. Donc poupou, moun wè yo, tout côté, nan mi-tan bloc là. Parce que yo parle, par exemple, n'a parlé de downtown Miami, moun ki dou par exemple, Hall Macy's qui gagne, derrière Dolly, dans département store, c'est pissé tout côté. Moun capable de remarquer des séries de poupou qui sec. Les hommes sont terribles. Maintenant, puis moun ap di, mes amis, faut yo relé sous cause ça. Maintenant, qui ça problème là? C'est le fait que interview fait avec Homeless yo dit pas gain assez bathroom public. Pas gain assez donc, gain qui dit il faudrait que yo ta mette plus bathroom public pour yo parce que yo clair yo dit bon si pas gain bathroom public ça aussi vous fait. En fait c'est argument ça yo bail en parlant de Homeless yo. Donc il dit que, il dit, if no bathroom is available, what are you supposed to do? Ok? Donc, il fait comprendre, si pas de bathroom qui est disponible, qui ça est au moins de plus offrir. Donc, c'est un descend pantalon, poupou. Là, on a parlé de downtown Miami. C'est un terrible. Fondou tout que, il y a d'autres côtés aux États-Unis qui est exposé, par exemple. Non, en fait, on a parlé de là, on a parlé de ça qui provoque bagay ça, c'est homeless, crise qui gagne dans le monde, qui va gagner pas bon ici. Et, par exemple, dans Los Angeles, on parle de 58 moun qui pas gagné, ça n'a yon 3 permanents. Là-dedans, yon kap vivre en bas freeway, dans tente, dans Miami-Dade County, yon estimé total homeless, moun qui pas gagné. Et ils estiment à peu près 3700. Et gagner ça, ils parlent, ils ont critical, ça veut dire un bagage critique de absence de carence dans les toilettes publiques pour à peu près 1140 personnes qui vivent dans la rue qui pas qu'à joindre. En fait, là-dedans, qui pas qu'à joindre caille, qui pas qu'à joindre un shelter priorité. En fait, par exemple, il y a un moun sa ou kab nan la ri, mais ça le dit lui-même. Il dit, pi fò nan nou mes amis, pas ta reme, ni poupou, ni pipi nan public. Ok, monsieur kap pale a, lui-même c'est Wisconsin, il sorti de la l'école Miami. Mais il dit, nous conscients, lorsque n'a déféqué ou bien uriné en public, nous perdons une partie nan dignité, nous nan humanité, nous pas animaux. Il dit, moi-même, personnellement, m'utiliser un petit cup. Et puis, donc, il montre un côté. Parce que je ne peux pas appeler à prendre ça, urine, ou bien n'importe urine. Vous avez dit, monsieur dit lui-même, par là, un petit godet l'utiliser, les poupous la donner, et puis l'entrée de l'autre côté. Ça, c'est la parole de David Betty. Mais il n'y a pas tout qui fait le constat. Donc, il est clair, il dit, si pas de fond, qui ça pour faire? Population homeless, moun qui pas de caille dans Miami Central Business District, il dit, il augmenté à 16% depuis janvier. Et suivant, données census qui est publié. Majorité, moun qui homeless, c'est-à-dire moun qui malade mental, tout bien malade, qui mentally ill, il dit mentalement yo malade. OK? Et c'est un dossier qui est vraiment délicat. Et ça n'a pas là. Parce que il y a des gens qui disent que gagner là-dedans qui pas d'accord même pour ta moun pour aller shelter même lorsqu'on t'a offrir assistance. T'entendez bien? Gagner là-dedans pas d'accord même lorsqu'on t'a offrir assistance. En fait, ils pensaient que en fait des entrepreneurs qui dans ils disent il y a un moyen qu'on peut aider c'est adresser problème pour pouvoir parce qu'ils sont problème de santé publique. Parce que il y a seulement 2 bathrooms publics qui sont vraiment accessibles pour les gens qui pas gen caillou dans la zone côté problème là apparaît là. Je vous parler par exemple, il y a une dans Bayfront Park dans zone Biscayne Boulevard là et il y a l'autre dans la librairie nous connaît mais généralement mais la librairie toujours gagne. En fait, dans mes librairies, beaucoup de monde qui connaît Miami dans 101 West Flag. OK? Donc, comprenez bien, 2 bathrooms publics. Mais ça, vous comprenez. Un tout petit problème, là, c'est que l'on prend 1000 bathrooms qui sont dans la librairie, qu'on fait vers zone 9, 10, vous fermez. Parce qu'il y a un homme, là, sur l'interview, il dit, il t'a souhaité, pour t'a gagné quelques bathrooms qui t'es calé dans la nuit tout. Parce que si vous avez mon à 11, 10, 10 soir. Donc, il t'a souhaité pour gagner un bagage. Donc, comprenez bien, oui. Et l'autre bathroom, par exemple, vous parlez de CDC de l'autre monde, vous employez qui pour qu'un bathroom ça. Et maintenant, you open 7 days a week, mais only seulement de 8h du matin à 8h du soir. Nous parlons de public, restroom dans la barrière dans Miami-Dade gouvernement. OK? Di même li gain plus hour limité. Donc on va comprendre. Donc gain on cap dit pour qui ça yo pas gain 24 hours bathroom, ça t'a vraiment assez bien pour yo et si yo t'a gain ça. Donc c'est un véritable problème. Nous pensons que les États-Unis, notamment Miami, pas qu'à justement descendre au niveau ça et magistrat Francis Suarez commissionnaire Ken Oussel. Donc, il faut qu'ils font gens dans bagay ça. Pour que yo offrent plus bathroom. Ce n'est pas possible pour que l'on n'a pas les États-Unis, n'a pas en ville tant pour Miami, que pour moun a pour la rue. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, nous devons porter de ça. De façon pour dire qui ça. Que comment bagaille yo pas parler pas boy ici là en pile monde fait comprendre que boy ici c'est paradis vous comprenez c'est paradis tout sort besoin joindre vous comprenez pas rien grand rien tout bagaille clean mon réalité qui passe là dans downtown Miami pour nous connaître nous même capteur de nous dans 4 coins pays pour nous comprendre que pas de paradis pas boy ici ça veut dire qui ça nous bêter ranger pays nous nous bêter ba une solution à problème pays nous pour nous capable dans pays nous pas grand ken paradis personne côté chaque côté gain problème pa yo. OK donc voilà nous te porter update ça pour justement pour faire moun yo comprendre que eh bien dans downtown Miami moun qui caille a pour en pleine rue pas gain accès toilette publique nous problème danger un problème que yo doit bailler et une solution le plus vite que possible. Donc, vous pouvez update ça pour vous. Toujours, nous souhaitons que vous êtes connectés avec nous pour capable de joindre des informations pertinentes qui concernent justement ce qui a passé par ici aux États-Unis, mais tout ce qui a déroulé en Haïti, nous pouvons mais analysez-vous. Portez-vous bien.